Voter aux URPS est très important parce qu'un syndicat qui obtiendra 30% de suffrage aux URPS sera représentatif au niveau national pour signer la convention. Cette convention s'appliquera de facto à tous les médecins exerçant conventionnés, que ces médecins soient syndiqués ou non syndiqués. La médecine libérale va très mal et c'est la mort annoncée de la médecine libérale, tant dans l'Hexagone que dans les départements. Ici, il faut compter en plus les raisons liées à l'éloignement, les difficultés d'accès, la rareté de certaines spécialités. Globalement, la médecine libérale n'est pas au mieux de sa forme en Martinique. On peut faire beaucoup mieux. Donc c'est très important que le syndicat représentatif FMF soit signataire d'une convention à l'écoute des médecins et non pas comme les signataires précédentes des conventions en 2005 et en 2011 qui ont été calamiteuses, signées par des autres syndicats. Je crois que les élections auxquelles nous arrivons actuellement sont importantes parce qu'elles vont permettre de rééquilibrer certains pouvoirs. Dans la rhumatologie par exemple, nous avons une diminution considérable du nombre de rhumatologues sur l'île. Notre effectif a diminué de 60% depuis 2 ans, ça va continuer et il va rester en Martinique 4 ou 5 rhumatologues dans les années qui viennent, alors qu'il y a une demande considérable. Pouvoir former des jeunes, pouvoir aider les jeunes, pouvoir les orienter et les faire aider par des structures telles que l'URPS en ville est quelque chose, à mon sens, d'important. Pour ça que je pense qu'il faut aller voter à ces élections, oui. Ces élections sont absolument primordiales parce que notre spécialité va connaître de graves difficultés en Martinique. Avec cette loi santé à venir, il est clair que nous allons connaître des difficultés financières qui vont nuire à la population puisque nous seuls nous diagnostiquons plus de 50% des cancers de l'île. L'enjeu principal, c'est de pouvoir répondre à la demande des patients. Donc réduire les délais d'attente et répondre en temps et en heure aux urgences. En Martinique, nous sommes en manque, en nombre insuffisant. Et donc nous souhaitons développer la collaboration avec les orthoptistes. Il faut changer la conception même des URPS, que tous les médecins puissent y avoir accès facilement, toutes spécialités confondues, qu'on puisse partager, qu'on puisse les écouter, les entendre. Les enjeux en chirurgie orthopédique sont premièrement une meilleure représentativité de la spécialité face au gouvernement, aux ARS, et de pouvoir faire valoir nos difficultés. Par exemple, en Martinique, une codification qui n'évolue pas comme en métropole, mais avec des problématiques géographiques. Le bilan actuel de l'URPS Martinique est une catastrophe. Rien ne s'est passé. L'URPS a été dirigée de façon monosyndicale par la CSMF, qui a étouffé le pouvoir. 1,2 million sont en train de dormir à l'URPS, alors que cet argent pourrait être mis au service des médecins. Il faut que ce pouvoir des URPS soit au service des médecins, pour la population, mais non pas décider de façon autocratique. Stop. La médecine libérale a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'un syndicat qui soit fort, qui l'entende, qui représente un poids face aux ARS, face à l'État. Elle a besoin de plus de collègues, elle a besoin de plus de moyens, elle a besoin d'un peu plus de dynamisme parfois aussi, et elle a besoin de moins de pression de la part des ARS. La médecine libérale a besoin d'une coordination. Coordination. On a l'impression, et notre profession le veut, hein, on est plutôt individualiste. La FMF est un syndicat courageux, indépendant, transparent. Les comptes de la FMF sont transparents, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de syndicats. Et la FMF défend tous les médecins, même ceux qui ne sont pas syndiqués FMF. C'est un syndicat qui est volontaire, qui a envie de faire les choses, qui a envie que la médecine avance. C'est un syndicat qui est pour le changement, déjà. Le changement de notre position actuelle, qui est aussi à l'écoute, qui est facile d'accès. Jusqu'à présent, tous les problèmes que j'ai eus, que j'ai rencontrés, j'ai pu facilement rencontrer quelqu'un du syndicat qui m'a accompagné, qui m'a aidé, qui m'a écouté, qui a essayé de résoudre certains problèmes quand ça a été possible. C'est aussi un syndicat qui est contre le tiers payant intégral, ce pour lequel je crois.
Je crois que c'est pas possible, c'est pas fiable, c'est pas jouable qu'on puisse pratiquer le tiers payant intégral à la Martinique. Nous voulons être entendus. Nous voulons que nos opinions soient prises en considération. Nous voulons être l'élément central dans les décisions qui sont prises en matière de santé. J'ai adhéré à la FMF pour lutter contre le totalitarisme d'État. J'ai adhéré à la FMF pour que la santé ne soit pas aux yeux et aux mains des mutuelles gérées comme un business. La FMF Martinique est une équipe jeune, dynamique, qui sera efficace, qui sera à votre écoute, qui dirigera avec vous, avec votre collaboration, avec l'aide de tous, en construisant un avenir digne qui donnera l'honneur aux médecins de relever la tête et non pas de courber les chines, assaillis par toutes les démarches administratives. C'est ensemble que nous gagnerons. Votez FMF, la seule façon de résister.